Sashi pe ki ju shing me tok twa mre rav ling shini di gen pa di sangye shing to mi te ulwa yi droke nam ta che par shongi dam guru ratna mandala kam niriya taya ya adne Dani, change tamatar, tenum kuno covaches, teni, changing ranchinde, lowry and then jimides. Tea and then ginijam, gejam, mishi, tetter cheese, see there, the song. Donc on reprend la page 94 avec la strophe, la fin de la strophe 133 et la 134. Qui nous dit, comme le dernier des serviteurs, que je m'emploie à toutes les tâches, je ne louerai point les qualités passagères de celui qui est d'un naturel imparfait, et quelles que soient ses qualités, je ferai en sorte que personne ne les connaisse. Chen as Yogunashi. And with the Yoguna Lone Yogu Tama, Tabit Lega Karina Lenge. And then this Chihuri, Sura, Turnum Gunla, Jubber, Gover cheese, Simjin Shengi, Turn Gunla, Karilene, and Gover cheese, des Sombares, Sura, Signidi. Long. Donc ici, on voit tout à fait le changement d'optique, c'est-à-dire qu'on on est dans le contexte de développer la considération pour autrui, donc d'accorder davantage d'importance à autrui, ce fameux chérissement d'autrui. Et c'est à ce titre-là, ou en tout cas en vue de concrétiser, de matérialiser cela, que l'on va se considérer, donc, comme il est dit, le dernier serviteur ou l'employé de grade le plus inférieur, et que l'on est prêt à, justement, en vue donc, d'aider les autres, que l'on est prêt à s'adonner à la tâche même la plus ingrate. ロジンジンシジンジンギラシンジレスロアンシデスタアンシンジンジンギロテニロウォルドヨンベタソソギタジュエジェロウォルドスウェシャベギアニオータロジレデオリスユンデンジレデオリスデンデインデュガネジーデステラデンデジユンデンディヨロウォルスウェシャベユンデンデラランギテニタカジヨンガルジュンカリヨンガルラナトラチナマジジアニャンガヨロワデンデカルジントヨゴレ Et la suite, donc la 164, en fait, quand on dit je ne louerai point les qualités passagères de celui qui est d'un naturel imparfait, par celui d'un naturel imparfait, c'est quoi? C'est né entre autres que cette importance si haute que l'on s'accorde à nous-mêmes, donc cette survalorisation de nous-mêmes, ça qui constitue le naturel imparfait finalement de ce que nous sommes, de cet esprit, les qualités passagères qu'il peut éventuellement, dont il peut faire montre, qu'il peut manifester, sont justement ici l'altruisme, le fait de considérer les autres, de leur attribuer de l'importance. Donc ça, c'est quelque chose qui s'élève en lui de façon fugitive. Et quelque part, on peut dire qu'il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Parce que si on s'attarde trop justement sur ces qualités-là, bah, le risque tout simplement est d'engendrer une certaine satisfaction, suffisance ou orgueil. Et donc on fait en sorte que quand ces qualités, de telles qualités se manifestent et qu'on les note, c'est faire en sorte justement de le faire, on pourrait dire, de la manière la plus discrète possible, c'est-à-dire pas au vu et au su de tout un chacun, quelque sorte. C'est de façon discrète, de façon dissimulée. Ani semgi dingne xianjin dingi semdi yijia. Ani namju rabodi dende shuju mu miawa jina, ji gu gu gare, sirwa. Pourquoi cela? C'est parce qu'en effet, si on procède, en fait, c'est-à-dire on agit sous l'influence de cet altruisme, sous l'influence de cette importance que l'on accorde à autrui, de cette valeur que l'on accorde à autrui, et qu'on le fasse de façon
à s'extérioriser quelque part, que va-t-il se produire ? Presque inéluctablement, l'un ou l'autre fera l'éloge de cela, ou louera cela, ou va complimenter cela. Et là, on est en danger à ce moment-là de voir s'élever l'orgueil, l'arrogance, la vanité. Donc c'est plutôt d'être nourri intérieurement de ce sentiment, c'est-à-dire de cette perception de voir les autres comme cher, comme il y a énormément de valeur, il y a énormément d'importance, et mu par ce sentiment, cet état d'esprit, d'agir, on peut dire, sans être trop expressif à l'extérieur, en fait. Donc, faire de façon discrète. Shantideva poursuit en disant, en bref, le mal que tu as infligé aux autres dans d'égoïstes poursuites, qu'il retombe sur moi-même pour d'altruistes poursuites. En d'autres termes, finalement, que tout ce tort et ce mal finalement, que j'ai infligé sous l'emprise de cette survalorisation de moi-même, de ce fameux auto-chérissement, qu'il résulte finalement maintenant, c'est-à-dire qu'il mûrisse maintenant, sous forme de résultats qui peuvent être pénibles, désagréables, mais au moins, alors qu'il mûrisse, que j'agisse, que je sois en train d'agir finalement, en considérant les autres comme chers, comme ayant énormément de valeur, énormément d'importance. On m'intéresse. Nyata juzi selalu. Nyata juzi lah dikane, nyata juzi lah tu tembu cecil lah, tembu dah uci, lah, tembu. Tanda tu dire, dah kat sini. Nyamlen cia de, kat sini. Cenju sistem ni nyamlen cia tu nanda, sen jenjing ni lo nyamlen cia de, ni tembu wangi dan pergi, dah tugas pergi, ya tumbu doya, jogu doya tanda lah dire macam macam ni. 시에진 마치 봐진 한 밤을 살아봤으니 뭐 사왔는 시 밤을 사고 뭐 사기에다 되는 시 염중진의 제고리 이슨 대성 거래 하고서 真正的给些什么的？但是这这话起来的了，先进东西，你可能没收到，你们那啥，是吧？没收到，你们的水果没到，你们那，前就强心剂、燃气啥，燃气一点呢？伢家的退给都，配合，切完，切完就是吧？水都先进，把米家的，是了的。现在你。 你水库门都三个月呢，是吧？先进东西库里两把的水库门都三个月，三节，俺的前去先讲下的，别的，告诉你，脚步，退给是哪呢？退把给我是哪吧？是吧？退把给我是，但得了脚是钱吧？嗯，东西忙不鸟毛，脚步是哪多呀？三么东西呢？俺娘他做的是，所以说娘该有的是，第一呢，但我们中国最多，但他，告诉你。 Kali kali jenah ni jangan jodoh ni, selera dah bersih.
Ensuite, donc j'ai un petit peu transformé la strophe, pas un petit peu. Je vais d'abord la lire et après on verra de quoi il s'agit. Ne lui permet pas de prendre de la force et de se conduire avec brusquerie ou brutalement, mais telle une jeune mariée, qu'elle soit timide, craintif et pudique. Donc on retrouve la même chose. En fait, ici, de quoi s'agit-il quand on dit ne lui permet pas, à quoi ? En fait, sous-entendu, à ta pratique justement de l'altruisme, à ta mise en pratique, ça pourrait être de l'esprit d'éveil, mais là, de ce contexte spécifique ici de la strophe, dans ta pratique de la considération d'autrui, le fait de considérer les autres comme importants, ne la fais pas, en fait, ça ne t'adonne pas à cette pratique, en quelque sorte, en voulant brûler les étapes, en d'autres termes, c'est-à-dire sache avancer. Progressivement, lentement, étape après étape, donc comme une jeune mariée, etc. Et pourquoi cela ? C'est parce que, par exemple, qu'est-ce qui t'amènerait à vouloir brûler les étapes dans cette pratique ? C'est, et le commentaire nous le dit en dessous, c'est la peur de ne pas pouvoir supporter, par exemple, le fardeau de la souffrance d'autrui. Donc ce qui est le propos donc, dans la méthode qui consiste à nous échanger avec autrui, on cherche à prendre la souffrance d'autrui, faire en sorte qu'elle mûrisse sur soi. Et on peut vouloir aller un petit peu vite en besogne et vouloir brûler, en quelque sorte, les étapes. Ce qu'on entend par ne permet pas, donc ne lui permet pas de prendre de la force et de se conduire avec brusquerie ou brutalement, c'est-à-dire à cette pratique, en quelque sorte, du chérissement d'autrui. Et c'est ce qu'indique donc. Donc c'est ce qu'indique le commentaire en fait indiqué là ici. Ta dene da teja te tar ne cha shin ta ma se cha do ne ma do te tar che ji mi cha wa te tar quand ce cycle était tar ta joye là pardon dans le commentaire si on reprend exactement ce qui est tel qu'il est traduit pour le moment pour que vous vous y retrouviez c'est mon esprit de héros pour l'éveil en fait ne sera ni despote etc. donc ne lui permet pas à mon esprit de héros pour l'éveil c'est-à-dire mon esprit d'éveil ma bodhicitta en fait hein. Et ce qui ici dans ce contexte particulier peut être remplacé par mon chérissement d'autrui en fait mon esprit altruiste en fait voilà pardon. Alors ensuite, Shantideva nous montre comment après nous être échangés avec autrui, on prend le contrôle donc, de notre esprit lorsque, dans les faits, en fait, dans les situations in situ. Et il nous dit, à la strophe 167, « Mets en œuvre ceci, tiens-toi ainsi, n'agis pas comme cela, voilà comment le soumettre, et s'il désobéit, subjugue-le. » Donc, en parlant de notre esprit. Ce que nous dit ici l'auteur dans la strophe, c'est qu'après avoir donc comparé les inconvénients donc, de la survalorisation de soi et les bienfaits, au contraire, du fait de considérer autrui, donc, alors qu'on se place donc, du coup du côté justement de cet intérêt porté à autrui, de cette importance, de cette valeur accordée à autrui, faisant en sorte que nos actions entrent en adéquation finalement avec cet état d'esprit maintenant et vérifions donc que chacun de nos actes, chacune de nos
nos actions ainsi visent à être vise au bien d'autrui, vise à être bénéfique donc aux autres. Si d'aventure on constate que dans nos actions, finalement on peut dire des repousses d'auto-chérissement, de survalorisation de soi, nous conduisent à agir finalement en vue de notre seul intérêt, à ce moment-là donc réagissons, c'est-à-dire il nous dit n'agis pas comme cela, donc au deuxième vers. Et si on se rend compte que notre esprit est donc dominé par cela, soyons en passe donc de le soumettre pour chercher coûte que coûte donc à éradiquer donc cet auto-chérissement. Shantideva poursuit en disant mais alors mon esprit, si en dépit de ces avertissements tu n'agis point ainsi, puisque c'est de toi que proviennent toutes les fautes, il ne me reste plus qu'à t'éradiquer. Et avec cette strophe, il nous dit donc, or si la survalorisation de soi-même est si fortement ancrée, si ton esprit est si habitué finalement à cela que malgré tout, finalement dans tes actions, tu notes que encore et encore tu œuvres en vue de ton seul intérêt et n'agis pas donc au bien d'autrui, comprenant en fait que toutes les souffrances, toutes les difficultés découle en fait d'une telle approche finalement, d'un tel état d'esprit. Alors à ce moment-là, après avoir encore et encore et encore médité les inconvénients de l'auto-chérissement, les bienfaits du chérissement d'autrui, éradique coûte que coûte donc définitivement cet auto-chérissement, c'est-à-dire cesse de te survaloriser ainsi. Donc, ayant contemplé les inconvénients, donc ainsi de la survalorisation de nous-mêmes, rejetons alors l'accomplissement de notre seul intérêt, en fait, la recherche de notre seul intérêt personnel. Et Shantideva nous dit ici, le temps où tu me perdais est maintenant révolu, où que tu ailles, je te reconnais et j'anéantirai ton arrogance. Renonce à la pensée d'avoir encore un intérêt propre. C'est pour les deux derniers vers. Hein. Renonce à la pensée d'avoir encore un intérêt propre. Ce qu'il dit est assez explicite. Ce que Shantideva dit est assez explicite ici, puisqu'il nous dit cette survalorisation de moi-même qui jusqu'à encore il y a peu me perdait, maintenant c'est un temps complètement révolu, c'est-à-dire que je suis passé à une autre époque et je connais tous les travers justement de cet état d'esprit là. Je connais toutes ces failles, tous les écueils finalement dans lesquels
lesquels il m'amène. Je les connais parfaitement. Donc, quelque part, rabaisse ton caquet, on pourrait dire un petit peu à cet auto-chérissement. Ton orgueil, finalement, je le rabats, je l'anéantis. Et si tant est que la moindre pensée encore d'intérêt personnel s'élève, que j'y renonce définitivement, que je m'en détourne définitivement. Et donc, de sorte que connaissant finalement les inconvénients de la survalorisation de soi, connaissant inversement, enfin l'opposé, les bienfaits de l'altruisme, du chérissement d'autrui, en tout cas du fait d'accorder de la valeur à autrui, faisant en sorte justement de ne pas laisser notre esprit dans des situations, des contextes qui favorisent donc la survenue justement de cette survalorisation. Et là, l'auteur nous met en garde parce que suite à une telle finalement décision, un tel engagement, si finalement on n'agit pas conformément à cette aspiration, à cet engagement, ben, il y aura des répercussions, en fait, il y a des conséquences, puisqu'il nous dit ici, je t'ai vendu aux autres, entendu cet esprit qui s'accorde tellement d'importance, finalement je l'ai détourné au profit des autres, donc je t'ai vendu aux autres sans te décourager, offre ta contribution, ou l'inverse, offre ta contribution sans te décourager, peu importe, si étourdi, dit je ne t'offrerai pas aux êtres, pour sûr tu me livrerais aux gardiens des enfers. En fait, il nous dit, quand il nous dit je t'ai vendu aux autres, c'est que finalement cette pensée de moi je veux le meilleur pour moi, le bien pour moi, etc. Je t'ai fait sortir de mon esprit finalement pour vouloir le meilleur pour les autres, vouloir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur pour les autres, et je ne regrette rien quelque part. Si d'aventure donc j'utilise en fait cet état d'esprit finalement pour les autres, la même idée mais finalement non plus dirigée vis-à-vis de moi-même mais vis-à-vis des autres. Si d'aventure par distraction ou par manque d'attention j'en venais à encore agir à ma seule fin dans mon propre intérêt, alors que je réalise que de fait les karmas non vertueux que j'accumulerais ce faisant ne pourraient que résulter donc en souffrance, en difficulté, voire donc en renaissance dans des états d'existence infortunés. Et ce sont des aspects auxquels il nous faut penser, ou en tout cas dont il faut nous rappeler, justement, pour remédier à toute forme de découragement, justement, éviter de baisser les bras. Ainsi, donc, de façon synthétique, ainsi, de nombreuses fois, tu m'as livré et longtemps j'ai souffert.
Maintenant, me rappelant tous ces griefs, je vais détruire la pensée, enfin les pensées égocentriques, en fait, ou la pensée de l'égocentrisme, peu importe. Ainsi, donc, durant de longues périodes, finalement, indéfiniment, tu as été à l'origine de mes difficultés, des souffrances que j'ai dû endurer. Me rappelant, en fait, maintenant de tout cela, ta présence, en fait, est quelque chose que je ne peux supporter plus longtemps, finalement. Que je ferai tout, enfin, en sorte d'anéantir. J'accélère pour essayer d'arriver au terme en fait de ce chapitre. Comme vous l'avez compris, c'est pas très compliqué, ça tombe bien, mais ça fait accélérer le rythme. Voilà. Oui. Et donc, Shantideva poursuit toujours ici dans sa synthèse en disant c'est pourquoi si je désire la joie, je ne me la procurerai point. Et c'est pourquoi si je désire être protégé, toujours je protégerai les autres. Ici, on est au cœur, en fait, finalement, de ce que produit cet échange, en ce sens que si l'on souhaite être heureux, éprouver du bien-être, éprouver de la joie, donc être joyeux, attention à ne pas justement laisser cours à cette survalorisation de nous-mêmes, à nourrir, en fait, à alimenter cette importance si haute que nous accordons à nous-mêmes. Sinon, on est sûr que, alors que l'on recherche ce bonheur, cette joie, n'en découlera que de la souffrance, que des difficultés. Et pareillement, donc, si nous souhaitons être protégé, si je désire être protégé, donc si nous souhaitons être protégé sous-entendu de la souffrance, c'est-à-dire ne plus avoir à faire l'expérience de désagréments, de difficultés, de souffrances, etc., comment nous y prendre ? Ben, c'est en protégeant les autres justement de la souffrance, en les préservant en fait de leur propre souffrance, en les mettant à l'abri de leur propre souffrance, et donc en leur évitant de réunir les causes, en l'occurrence ici, de leur souffrance, que l'on parvient, c'est la meilleure façon finalement de se préserver. De la sienne. Et là, Shantideva donc, va entrer en détail sur le rapport finalement que l'on entretient avec notre corps, en nous montrant combien en fait cela nous est délétère, préjudiciable finalement de lui être autant attaché. Puisqu'il dit à la strophe 174, plus je protège ce corps avec grand soin, et en d'autres termes, plus il devient vulnérable, tout simplement. Le fait est qu'il nous faut ainsi considérer les inconvénients, le travers de cet attachement si important que l'on a, par exemple, pour notre corps, de sorte que, en effet, s'il rencontre ou s'il connaît le moindre inconfort, aussi minime, aussi insignifiant soit-il, c'est quelque chose qui nous gêne, qui nous cause déjà un grand désagrément. Et pourquoi ? C'est de par la force de l'attachement que nous éprouvons pour ce corps-là. Ici ensuite, la strophe 175 nous dit « Et si, bien qu'ainsi déchu, la terre entière est incapable de me combler pleinement, qui sera en mesure d'exaucer mes désirs ?»
난지 사주 동안나시 강검이야 말레스 라진디 원게 차바시 차바디 차바디 원도 당지 로바이나 스스 대바 대바 민심지 대중 조세 마제와지 대바 민심지 대바이나 대바 잠불링 용을 강제 대치와이네 랑기 대바 아니 강토 말레 선 송바레 설바 En effet, là, la configuration est celle est la même que celle de boire de l'eau salée lorsque l'on a soif. C'est pertinemment que plus on va en boire et plus on aura soif, moins notre soif sera étanchée. Donc ici, en l'occurrence, c'est la même chose. Plus nous allons alimenter cette importance que nous accordons à nous-mêmes, donc plus nous allons nourrir cette survalorisation de nous-mêmes, plus sous son emprise donc, se développera de l'attachement, l'attachement vis-à-vis de notre corps, par exemple, enfin notamment ici, mais d'une façon générale, notre attachement. Et quoi que ce soit finalement que l'on reçoive, que ce soit que l'on obtienne, ce ne sera jamais suffisant. Donc nous ne parviendrons jamais à un sentiment de satisfaction, de contentement, et nos désirs, nos besoins seront illimités. En fait. Tenez, nous mettons devant nous montant. Nous sommes en train de nous montrer. Désirer l'impossible est ce qui engendre les perturbations ainsi que la déchéance mentale. Sous l'emprise en fait, de cette survalorisation de nous-mêmes, ou à continuer à nourrir cette survalorisation de nous-mêmes, nous sommes dans l'incapacité, en tout cas cet état d'esprit-là est complètement incapable de concourir à notre bien-être et de nous aider finalement, de contribuer à nous apporter ce à quoi nous aspirons, ce que nous désirons. Il est complètement dans l'incapacité, l'impossibilité de faire cela. Non seulement il est dans l'impossibilité de faire cela, mais que fait-il ? Il ne fait qu'exacerber, accroître ici notre attachement, là notre aversion, et sous l'emprise donc de ces perturbations, que se passe-t-il ? Notre potentiel constructif, vertueux, en fait, va en déclinant, donc perd de sa force, alors qu'au contraire, nos méfaits s'accroissent, en fait, notre potentiel non vertueux, donc nos actions préjudiciables s'accroissent. An pechir kawye mi chate kanshi yon mi zinba teni ngubu sangbo yin sine. Alors, les strophes suivantes sont un petit peu transformées, mais vous retrouverez le sens. Celui qui n'attend rien connaît une fortune inépuisable, une bonne fortune inépuisable. Ainsi, je ne donnerai pas libre cours au désir du corps. La meilleure chose est de ne pas s'accrocher à ce qui est attirant. Ça, c'est le début de la strophe 77. Donc celui qui n'attend rien connaît une bonne fortune inépuisable. Ainsi, je n'aurai pas libre cours au désir du corps. Et juste les deux derniers vers. La meilleure chose est de ne pas s'accrocher à ce qui est attirant. Intéressant. Longjo Mangujila, Chuna Samji Tengina, and Dabahanji Amari, Dungishatari, Tin the Dijun Choshe Chigina, and Shen Kanla, Daba Mavachin, the Dishin Degina, Rolu Longja Kanla, Chig, Semi Chaba Mavachin, Degina, and Digipusun Sova, Semi Shaba Yungres, Chuni, Seba Mavaj Yungres, Rua. That Tinjainza, that Lu Long, Luleani, or Kazuri, or Lu Longja Solan, and Dabajati. Rangi ane chakbya wangi mizimbeki yuji yosuna di ngubu sangbare sene sangbare sene. Ici, Shantideva fait l'apologie en fait de la
de la modération, en quelque sorte, c'est-à-dire du fait d'avoir peu de désir et de se satisfaire donc facilement de ce que l'on a, rapidement de ce que l'on a. C'est ce qu'il entend ici en disant celui qui n'attend rien, en fait, puisque quelque part, parfaitement satisfait, tout à fait satisfait de ce qu'il a. On sait très bien que l'absence justement de cette modération, le fait d'alimenter énormément de désirs, de besoins, de se créer énormément de besoins, est une source intarissable de frustration, de souffrance, de difficultés. Alors qu'au contraire, donc cette modération, le fait donc d'avoir peu de besoins, peu de désirs et d'être rapidement satisfait, sera source au contraire donc d'un bonheur inépuisable, puisqu'on sera continuellement finalement heureux et content de ce que l'on a, de ce dont on peut jouir. Ensuite, il nous dit ainsi je ne donnerai pas libre cours aux désirs du corps d'une façon large. Cela veut dire finalement que ce soit je ne serai pas à la recherche, à cette recherche effrénée finalement de sensations au niveau du corps ou d'objets, donc de biens, en fait, c'est-à-dire je ne serai pas dans cette course effrénée finalement ou de sensations ou de biens, de possessions. Et comment, alors c'est le dernier vers, comment est-ce que je me relierai finalement à tous ces objets? Et la meilleure chose est de ne pas s'accrocher à ce qui est attirant, c'est-à-dire je disposerai de ces choses donc qui me seront données, dont je pourrai en jouir, en disposer, mais sans m'y attacher pour autant, sans m'y accrocher pour autant. Ici, remédier plus spécifiquement finalement à cet attachement si fort que l'on éprouve pour le corps et donc qui est source de souffrance, qu'il s'agit l'attachement à son propre corps, l'attachement au corps d'autrui, etc. Donc Shantideva ici démonte en fait cela avec les deux strophes suivantes lorsqu'il nous dit à la fin de ce corps impur et effrayant, il ne reste plus que des cendres et immobile, il est déplacé par d'autres. Pourquoi le considérer comme moi ? Qu'elle soit vivante ou même morte, que ferais-je de cette machine ? Qu'est-ce qui la distingue d'une motte de terre ? Hélas, je n'élimine point cet orgueil. Ce corps, en effet, donc, par sa nature, en fait, est quelque chose d'inerte, quelque chose d'immobile, qui finira ici en cendres, là, en un tas de, enfin, inerte, donc, dans un cimetière. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est animé ? C'est la présence, en fait, de la conscience et la présence de l'énergie, c'est-à-dire de l'air ou des vents qui circulent à l'intérieur, enfin, ou qui soutiennent la conscience. C'est ça qui l'anime, en fait, qui fait qu'il devient qu'il s'agite, en fait, qu'il bouge. Mais foncièrement, sinon, c'est de la chair, des os, du liquide, autant de choses qui sont impures, finalement, et qui, en soi, donc, sont inertes, qui n'ont pas de possibilité de mouvement de par elles-mêmes. La situation étant celle qu'elle est, donc, comment se fait-il que
comment finalement justifier cette survalorisation de moi-même qui m'amène à développer un tel attachement vis-à-vis de mon corps et à le considérer en fait comme moi. Comment expliquer cela finalement? Comment justifier cela, pardon? Et donc, qu'elle soit vivante ou même morte, que ferais-je de cette machine? Donc ici, corps est simplement apparenté à un instrument, finalement une machine, qu'il soit ici animé quand il y a la conscience, qu'il ne soit pas lorsque il est mort. Mais finalement, qu'est-ce qui distingue donc cet instrument d'un monticule de terre, donc, ou de quelque chose d'inerte finalement? Si je ne me sers pas en fait justement de cette machine, de cet instrument, de sorte à donner du sens à cette existence, finalement, à quoi est-ce qu'il sert finalement? Quelle pourrait être notre fonction que celle-ci? En fait, quand bien même donc il est vivant, de cet instrument, je ne m'en sers même pas. Donc quand il est dit hélas, ici je n'élimine point cet orgueil, dire je n'élimine même aucune de mes perturbations. En d'autres termes, donc l'orgueil d'éventuellement avoir ce corps, mais même au-delà, je ne m'en sers même pas pour donner du sens à mon existence. Et donner du sens, on s'en rappelle, c'est chercher à juguler en fait ses propres émotions perturbatrices. Le jikata chevayi temen dongi nyesane jisu chardan kondo kondo wa shingun de la jishik chasne. Ensuite, Shantideva poursuit à la strophe 180 en disant « À force de soigner ce corps, que de souffrances inutiles j'ai amassé. » Sous-entendu de causes de souffrances inutiles, bien sûr. « J'ai amassé. » Et la fin, c'est « À quoi bon cette espèce de souche qui engendre attachement et colère ?» Mais c'est un des mots majeurs, c'est un mot dont il y a des gens qui sont en train de se faire. Dans le Coran, il y a des gens qui sont en train de se faire. Le Coran, il y a des gens qui sont en train de se faire. Le Coran, il y a des gens qui sont en train de se faire. Le Coran, il y a des gens qui sont en train de se faire. Le Coran, il y a des gens qui sont en train de se faire. Le Coran, il y a des gens qui sont en La survalorisation donc de nous-mêmes, cette importance donc toute particulière que nous nous accordons en dépendance de notre corps ou en tout cas en relation avec notre corps, nous amène finalement à ne pas faire cas de cette existence, de notre existence actuelle, notre existence humaine actuelle, et de ne pas lui donner tout son sens, de sorte que nous utilisons donc ce corps, on l'a vu tout à l'heure, cet instrument, nous l'utilisons en créant, en accumulant donc du karma non vertueux qui résulte donc en souffrance, donc en désagrément. Or, finalement, pourquoi cela, alors que ce corps lui-même est aussi inerte qu'un billot de bois, en fait, qu'une souche, et lui-même n'est nullement affecté par l'aversion ou par l'attachement, puisque ce corps en lui-même, ce n'est qu'encore une fois, il n'est animé que lorsque la conscience est là, le corps en soi est quelque chose de complètement, sinon complètement inerte. Et qu'on lui prodigue des soins ou qu'on le blesse, finalement, en lui-même, cela ne lui fait strictement rien, dans la mesure où il s'agit donc d'un objet inerte. Donc pourquoi finalement, à quoi sert finalement cette espèce de souche dont je ne me sers pas de la meilleure façon possible, sous-entendu, cette espèce de souche qui engendre donc attachement et colère?
Et Shantideva continue dans cette même veine ensuite en disant « S'il est dépourvu d'attachement et de haine, que ce soit moi qui le soigne ainsi ou que ce soit les vautours qui le mangent, pourquoi y serais-je attaché ?» Donc on est complètement dans la même veine que la strophe précédente, dans ce sens que ce corps de son côté, en fait, étant par nature inerte, peu importe qu'on le disait, qu'on lui prodigue des soins ou qu'on le blesse, ça ne change strictement rien. Et que ce soit donc nous-mêmes qui le soignons, ou que ce soit donc les vautours qui le mangeaient, on dirait chez nous les vers qui le rongent, peu importe, que ce soit une chose ou une autre, au final, ça ne change strictement, ça ne lui change strictement rien. Donc pourquoi nous-mêmes nous y attacher ? On parle toujours du corps, donc s'il ignore, peut-être on peut simplifier en français, s'il ignore la colère d'être méprisé et la joie d'être loué, à quoi bon me fatiguer ? On est toujours dans le même contexte ici, c'est-à-dire que le corps de son côté ne va rien éprouver de particulier quand bien même on le loue ou quand bien même on le critique, c'est-à-dire quand bien même on en fasse son éloge, quand bien même on le critique ou on le méprise. Il ne va ni éprouver de contentement, de joie, ni il éprouvera donc de sentiment de répulsion, voire de colère. Donc finalement, quand on dit à quoi bon me fatiguer, comment pouvoir justifier encore l'attachement que l'on éprouve à son égard ? Quand j'ai lu de Djoba, Tedan, Dashi, Yinshena, Tamji Rangi, Ludebe, Telan, Dako, Jimiga. Donc en gardant à l'esprit donc le corps lui-même ne ressent rien, donc puisque par nature inerte, la strophe suivante poursuit en disant je suis attaché à ce corps, lui et moi sommes amis, donc puisque tous sont attachés, donc puisque tous les êtres sont attachés pareillement à leur corps, pourquoi ne pas les aimer tous, ce ne sont pas les êtres, c'est le corps des êtres. Donc c'est pour ça que la tournure est peut-être un petit peu, il faut peut-être regarder. Pourquoi ne pas l'aimer tous, ne pas l'aimer moi aussi, sous-entendu le corps des êtres, chacun n'ayant qu'un corps. On peut peut-être le tourner autrement. Enfin, en tout cas, comprenez ça. Pourquoi si vous gardez ne pas les aimer tous, c'est-à-dire... Aimer, je pense qu'on peut dire pourquoi ne pas l'aimer tous, c'est-à-dire le corps de chacun, en fait. Voilà. Donc moi-même,
comme on l'a vu jusque-là, moi-même étant attachée à mon propre corps, donc je le considère comme quelque chose qui m'est proche, donc comme un ami, je le perçois, je l'appréhende ainsi, puisque tel en est le cas, et que je le considère comme ami parce que c'est un corps, que de ce point de vue-là, comment se fait-il que je ne suis pas en capacité, puisque chacun aime pareillement son corps, puis pourquoi est-ce que je ne suis pas en capacité d'aimer en fait le corps des autres, ou de considérer en tout cas avec tous les soins et respect nécessaires, le corps des autres, en ce sens que là aussi, il s'agit d'un corps, en fait. Donc, il faut passer à l'état générique pour comprendre ça. Hein. Ce n'est pas la notion du corps des autres, c'est parce que c'est un corps, en tant que corps. Dendesine chabache dendechigene nyeba mangu yores wa nyeba mangu yongore sala ane dungme mangu yongore dende inda chaba mebe tone ane o simje jengi tendo lute tamar chas lute ane simje jengi tendo legache karina ledang ches tena an dila nyeba wes ane dendesine jenani ledang cheba enan pheyen padu meba yores dende inda Tena nyemangya so lu de la chida nyeba mangores wa jega na chila so be nyeba mangbo tende re de ani le ji je xin sumar cha la de sin jin xin gi de ki do ani lu de ta bu ja wo sen de sung wa res de lu jan ki kan nyeba mangbo yo pate kan jado ki kan ji kan jado ki re lu la nam zo lu de lembe shula jega na ji dum yi ma re da wa De ce fait, dénué d'attachement, je dédierai mon corps au bien des êtres. Ainsi, bien qu'il soit doté de nombreuses fautes, je le conserverai à titre d'instrument, en fait. Encore une fois, si donc je continue à agir sous l'emprise de l'attachement, c'est-à-dire si je laisse l'attachement donc gouverner en fait mes actes, inéluctablement donc j'accumulerai faute sur faute, ou en tout cas erreur ou méfait sur méfait, ce qui conduira donc en souffrance, en difficulté, en désagrément. Par contre, donc si je relègue donc au second plan cet attachement, donc si je m'entraîne à ne plus éprouver l'attachement pour mon corps, mais que je le voue en fait au service des autres. Que je le voue à agir donc, en faveur d'autrui. Alors, quand bien même sont nombreuses ces fautes, et par ici, les fautes du corps, qu'est-ce que l'on entend finalement? C'est tous les potentiels présents en fait en notre esprit, qui ont été accumulés en dépendance de notre corps, qui font que le corps est réceptacle donc des différentes souffrances que nous sommes que nous connaissons, que nous sommes amenés à vivre dans le contexte de nos différentes renaissances, par exemple. Ok, Ganachi, pardon, pas des renaissances, mais dans le contexte de notre naissance, notre mort, notre vieillissement, nos maladies, etc. Donc toutes les souffrances endurées, toutes ces souffrances-là qui sont étroitement donc liées à notre corps. Donc, pour conclure ici, ou en tout cas arriver au terme du chapitre, Shantideva nous amène à reprendre le contrôle de notre esprit, donc reprendre les rênes, et il nous montre comment renverser donc, les obstacles à ce qui pourrait être vertueux, constructif, puisqu'il nous dit « Assez donc de ce comportement puéril, je suivrai les sages, en me rappelant leurs paroles sur l'attention, leurs propos sur l'attention, je combattrai le sommeil et la torpeur. » Intéressant. Ti ta ta chewe choba chosang a tebe se jumden tende yinzang sa tanda bado ngaran du choba chia dum du chewe choba choba ta damen de chin robares choba damen de chin robares ti yinza ta ta chinji ani da da ge garishi esla na chanju samba jase jase chimbu kheba namji jisu nyekte ani bhaye dam chamba chini bhaye ge ani ta dendang robo de kande yime de chamba chini Ani ni makhu ajin ani ninzen tu chu dan jang ma chi gu re sna ro wa song ba re so ro
Shantideva ici donc, nous amène à nous ressaisir, donc, puisque quand il dit assez donc de ce comportement puéril, c'est parce donc ici, c'est pour les différentes raisons que l'on vient de voir, qu'il vient d'amener à travers son raisonnement. Donc arrêtons de suivre finalement nos tendances habituelles, nos tendances spontanées, donc ces tendances de survalorisation de nous-mêmes, etc. Et reprenons-nous en quelque sorte et suivons les sages, donc les êtres avisés. Et quand il dit en me rappelant dans leurs propos sur l'attention, c'est-à-dire en suivant donc les explications qu'ils ont données sur l'application de l'attention, la manière de soutenir en fait l'attention, les bienfaits qui en découlent, etc. Donc en me souvenant de cela, je lutterai en fait, donc je combattrai le sommeil, la torpeur, donc toute forme de paresse, etc. J'ai tout dit que nous t'arrivions sans chade, sous chade, n'importe quoi ma mabena. Jigpe senni sonchate senakajere. Hakone. Jigpe. Ni sen ni son dirwa ta. Topchi isrwa. Jigpe sen ni sen tembo so dirwa. Hakwa chines re. Ini teje la son chata de de hakwa chini ja se tuji chen namtar sa. Jase tuji chen namtar ani de di rangyanda jase tuji chen bu tendo nanshin hakwa chini sen son wa che sen tembu so wa che wa tembu che ni ani nyamsu lengu re ninze che ma ani be na ani o dung be na ma be na ninze che ma ma be wa ina ani dunge rigpa se ati rigpa se ati di janu di sare sheba ma je wa che Tenanchi cheriba. La strophe 186 donc, dit ainsi, donc, tel, les, on va garder l'essentiel, tels les six compatissants fils des victorieux, je me consacrerai fermement à l'action juste, en fait, sous-entendu à l'action, à l'attitude, à l'approche, à la perspective empruntée par les fils des victorieux, les compatissants fils des victorieux. Donc simplement ce qui change, je me consacrerai fermement donc à l'action juste. C'est simplement ce deuxième vers qui va changer. Donc tel les six compatissants fils des victorieux, je me consacrerai fermement à l'action juste. Si je ne m'efforce pas jour et nuit, quand ma souffrance cessera-t-elle en fait? Donc ou inverse, enfin, en français l'inverse serait plus heureux. Quand ma souffrance cessera-t-elle si je ne m'efforce pas continuellement, donc jour et nuit? De même façon qu'ils ont, enfin, comme ils ont pleinement adopté en fait le comportement qui est le leur, donc c'est Bodhisattva, hein, c'est fils des victorieux, en plein de compassion, moi-même je me consacrerai fermement en fait à ce même type d'action, donc à cette action, cette idée d'action juste. Tebe, Jibase, Chiris.
tanda tevadi diba seve chirdo la do la soka la te tu sabot. Et en chantier d'Eva, donc de conclure ce, enfin de terminer déjà ce chapitre en disant, afin d'éliminer les voiles, donc justement ce qui m'entrave en fait et m'empêche de pouvoir développer justement ce même comportement donc les fils des victorieux, afin d'éliminer les voiles, détournant mon esprit du chemin erroné, toujours je le placerai en équilibre méditatif sur l'objet correct d'observation. Donc l'objet correct d'observation étant en d'autres termes la réalité, c'est-à-dire la vacuité, et c'est l'observation en fait de la vacuité qui permet effectivement de dépouiller l'esprit de ces différents voiles, donc des voiles des perturbations, des voiles à la connaissance. Donc les voiles auxquels il fait référence ici, donc sont les deux types de voiles d'obscurcissement, ceux des émotions, ceux des perturbations et ceux à la connaissance. Les voiles des perturbations donc empêchent l'affranchissement du cycle des existences, donc l'obtention de la libération, tandis que les voiles à la connaissance donc empêchent la connaissance totale, c'est-à-dire l'omniscience, c'est-à-dire l'accès à la bouddhéité. Tant que l'esprit donc reste obscurci en fait par ces deux types de voiles, le chemin qu'il emprunte est forcément donc un chemin erroné et un chemin donc dans lequel il va être maintenu par ces deux conceptions, la conception du soi de la des personnes, du soi des phénomènes, donc chose qu'on verra largement ultérieurement. Tant qu'il est maintenu donc tant que sont présents en fait ces deux types d'obscurcissement, ils empruntent donc forcément ce type de chemin erroné et est sous l'emprise donc de ces deux types de saisies ou de ces deux types de conceptions. Conceptions qui sont éliminées donc en plaçant toujours l'esprit en équilibre méditatif sur l'objet correct d'observation, à savoir donc la vacuité, donc la perception donc de la réalité ou de la vacuité. Ni
Ainsi s'achève donc ce huitième chapitre portant sur la concentration. On se souviendra donc l'essentiel de ce chapitre consiste finalement à la considération à la fois des inconvénients de la survalorisation de soi et des bienfaits, donc de la prise de conscience des bienfaits, des avantages donc de l'intérêt porté à autrui, ou en tout cas de l'importance accordée à autrui. Et ce chapitre nous conduisant finalement à inverser notre tendance et à renoncer donc progressivement à cette survalorisation de soi et développer le chérissement d'autrui. Moi, ça dit du, ça, ça va ni mieux pas se faire là. Ni nyomon, ça va ni mieux pas se faire là. Ni mieux pas, ni chiner du bout. Chiner mal du bas, nyomon mieux pas se tourner mal. C'est quoi? On dit ça, chiner du. Tenez la dent tabache, donnez le mieux, la dent tabache. Tenez chiner ça, oh ça, ça vient de chez vos parents, les gars, c'est quoi? De sorte à éradiquer donc nos émotions perturbatrices, c'est-à-dire donc à les éliminer ici radicalement, définitivement, il convient au préalable donc de disposer du calme mental, donc d'avoir développé le calme mental qui sert de base en fait, ou qui apporte la base nécessaire au développement de la vue supérieure qui portera ensuite sur donc la réalité ou la vacuité, et ce qui permet une fois que celle-ci est acquise, est obtenue, d'être appliqué justement et de se défaire donc des notamment des différents voiles, dont en l'occurrence ici donc celui des perturbations, donc d'éradiquer définitivement les perturbations. Donc voici de quoi faire le lien en fait avec le prochain chapitre qui nous occupera donc à partir de la prochaine fois. Néanmoins, avant de l'aborder à nouveau de but en blanc, et bien que l'on ait déjà étudié ensemble les courants philosophiques, on y passera néanmoins encore un peu de temps dessus. On fera un petit peu une récapitulation de ce que l'on avait déjà vu pour pouvoir aborder plus sereinement ce chapitre. Prépare. Chavouillores. Non, non, sereinement, Kachel. Ah, le sereinement, yes. C'était bien. Prenons le livre de prière à la page 90. O sashi peki chu shing me tok twa ri rab ling shin ni de gen pa di san ge shing tu mi te lwa yi do kun nam ta shin la chup sho ge dam guru rat na mandala kam ni riya ta ya mi o ge wa di yi ni wo tu Chere si wanten zinja.
Bientôt.